Hey les gars, ça va, c'est Energy, on se retrouve aujourd'hui pour Déforestation Versus et on n'a jamais été autant sur la carte. Bon allez, moi j'y vais. Hein. Nous sommes donc en compagnie de 8 bûcherons de l'extrême. Nous commençons avec cette magnifique équipe rouge, évidemment, avec Vallo, Papy, Marion et Artium. Hello. Bonjour. Salut. Et donc Artium a rejoint le camp des blonds, comme vous pouvez le voir. Et du côté de nos amis chauves, nous avons les bleus, évidemment, avec Alan, Kamset, Black Mick et William. Salut. Hello. Salut. Salut. Ils sont beaux, Wouh, ils sont chauves, moins beaux que les blonds je trouve quand même. Enfin bref, on n'est pas là pour ça, on est là pour voir combien ils doivent de l'argent, principalement. Ils ont bien travaillé hein, ces deux équipes durant leur off, ils ont rapporté 101 000 euros du côté des rouges et 146 000 du côté des bleus. Donc les rouges, j'aimerais avoir 50 000 euros s'il vous plaît et 73 000 euros les bleus s'il vous plaît. Je tiens à rectifier tout de suite que en réalité 100% des gains ont été faits par les rouges, hein, mais bon... c'est vrai. Pas 100%, c'est ça pas vrai. Ça ment un peu. 100% c'est pas c'est, vrai. C'est d'ailleurs pour... C'est pour ça que j'ai mis un pseudo oui, qui porte toute ma gueule. Ouais, mais qui ne voit pas. Je le vois pas, mais on l'apprécie. Bien sûr, regardez, on le voit là. Copfet Baliche, merci Valo. Parce que c'est vrai que Valo a été très fair-play, comme Papy lors du dernier off. Et il l'a aidé, évidemment. Il a été aidé parce que Balan, le capitaine, avait oublié qu'il y avait un off. En bref. Ah non, je ne viens pas, non. Et du coup, au niveau des arbres, 85 arbres abattus du côté des rouges et 167 arbres abattus du côté des bleus, où Valo était en stage. Donc voilà, voilà. Bah, du coup, maintenant, ce que je vous propose, c'est qu'on commence directement du côté des rouges. Et du coup, voici ce qu'ont fait les rouges durant leur off. Voilà, comme vous l'avez vu, ils ont bien avancé. Bon, après, c'était que du 2 contre 2, hélas. Mais ça leur a quand même permis de bien progresser. Bah, regardez, d'ailleurs, oui, là, il y a du dessouchage à faire. Hein. Oh la vache. Sur cette plateforme, là, puis elles sont pas mal hautes. Il va y avoir. Je sais pas comment je vais activer à l'autre. À l'autre, où ça? La plateforme au-dessus. Ah, encore au-dessus. Ah, mais moi, j'ai commencé à couper à la main. Il faut que je récupère par l'autre côté, je pense. Ah, tu crois? Mais je pense qu'il y a moyen de passer. Hein. Ah, je vais voir, je vais essayer de voir si je passe par la plateforme que tu m'as fait, si je peux accéder par le côté après, tu vois. Ouais, je pense que... Avant, tu vois, passer vers les sapins qui sont de l'autre bout pour essayer de repartir de l'autre côté. Ouais, parce que je pense en vrai, en passant par là, en montant ici et en remontant là, même si ça va être un peu raide, je pense qu'elle le monte. Je pense que ça va le faire. Et là, hop, le 7R qui arrive pour régler leur compte à toutes ces souches. Ah là là, putain, il est magnifique ce 7R. Hein. 7R demi. Du coup, c'est Papy qui est dans le chargeur là ? Ouais. Et Artium, il est où ? Il est là. Il est en bas, je t'envoie des arbres, tiens. Ah ouais, d'accord. À peine dangereux. Hein. Heureusement qu'il a un casque. Hein. Ah oui, bah, non, t'envoies pas les arbres, t'envoies le télesco. C'était pas prévu, à mon avis. Non, c'était pas prévu. Bah là, Papy, t'as fait comme moi, t'as descendu la pente plus vite que prévu. Bah ouais, il a pas de frein, ce télesco. Bon, après, il a pas de frein. Je te rassure, la bâtisse non plus. Avec 5 tonnes de bois à bout de bras en haut d'une falaise, il en a beaucoup moins, ouais. Mais c'est vrai qu'il freine pas des masses, quoi qu'il arrive. Bon, du coup, là, c'est des 8 mètres ? Ouais. Attends, on va peut-être faire le tas sur du plat, là. Je sais pas. Non, t'inquiète. Là, ça va le faire. Alors, je vais essayer de t'en décaler encore. Hop. Oula, non, ça, c'est pas du 8 mètres, ça. Ouais, c'est pas pratique de tous les voir jeter dessus, toi. Attends, on va couper ça là. Hop, c'est bon, ça c'est du 8 mètres.
Ah, ça fait plaisir, le 4 contre 4, là, ça va vraiment avancer, même si c'est vrai que les rouges, là, sont dans des conditions un petit peu extrêmes, on va pas se mentir, hein, franchement. C'est vrai que là... Oh, putain, et même le... Heureusement que c'est un... Ah, non, mais heureusement qu'on est plus avec le 14, hein. Ah bah, le 14, il serait jamais passé. Ah, il serait jamais passé. C'est pour ça qu'on a changé, en fait. Et ah là, ouais, on non, galère là, vraiment. Même là, on galère, hein, avec le 7R, donc... ouf, ah oui, c'est quelque chose, hein. Et du coup, ouais, pour vous expliquer un petit peu le setup qu'on est en train de faire, bah, il y avait Marion en train de broyer à ma place... Il y a Valo à la batteuse, évidemment. Il y a Artium qui essaie de faire des tas. Malgré et que... là aussi, je fais des tas, du coup. J'ai pas dû t'arrêter. Non, parce qu'en fait, j'ai fait S pour freiner, sauf que je reculais, du coup. Il a failli partir à l'autre bout de la terre, mais c'est bon. Mais, et Papy qui charge, tout simplement. Donc c'est juste nickel. Et j'avoue que le setup comme ça sur un chargeur, c'est quand même un délice. Hein. C'est quand même un... Vraiment, c'est tellement plus pratique que sur le 3 points. Oh là là. Papy, on échange un peu. Bah, ce qui m'a fait faire ça, c'est quand j'ai vu les bleus le lever à la main le tracteur. Ah ouais, tu t'es dit, tiens, en parlant je de bras... Je fais, non, faut pas qu'on s'abaisse à ça. Oh, écoute-le. Faut pas qu'on s'abaisse à ça, MDR. Faut pas qu'on s'abaisse à ça. Regardez, c'est fief et gueux. Oh, bordel. De toute façon, faut qu'on leur montre tout. Comment utiliser bah, le matériel, ouais. Combien faire d'arbres dans une partie. On vous appelle les notices hein, dans le milieu. Ouais, c'est terrible. C'est terrible. Des vrais tutos vivants. Mais du coup, si je vous ai repris là, chers amis, c'est pour lire les délicieux conseils de nos abonnés. Parce que du coup, alors là, c'est marrant. J'ai dit, vous pouvez aussi donner des conseils aux rouges. Parce qu'il y a eu que ça. Il y a eu que ça. Il y a eu que ça. La différence. Ah oui, du coup, il y avait plus de, avait bon plus de conseils pour on les sait, on sait que vous nous aimez, mais quand même. C'était jour, de... nuit. Jour, nuit. J'ai demandé non, les rouges, plus de bleus. Terminé. Tout le monde était pour les ça rouges, fait... c'était terminé. Les bleus, pas fini. Ça fait plaisir quand même de sortir un peu chez vous. Ah ouais, ah non, oui. Je suis mort. D'un coup, tout le monde a changé de camp. Ouais, non, du coup, non. Les bleus, très peu pour nous. Mais pour revenir au conseil, on a un conseil d'Olivier qui nous dit « Salut Marlène, super vidéo comme d'habitude. Conseil pour les gagnants, entre parenthèses, les rouges. Il faut qu'ils achètent un deuxième camion pour faire le plus gros chargement et voire même aller vendre pendant qu'un remplit. Bon, ça, on a déjà répondu, c'est pas possible d'aller vendre pendant qu'il y en a un qui se remplit parce que tout simplement, bah, le problème, c'est que ça lag quand quelqu'un m'envoie avant. Bon, non. Forcément, on peut pas remplir. Mais on pourra, répondre faire à cette question parce qu'avec Valo, on y a pensé. Ouais, vas-y. Et je sais pas si ça va être rentable de charger deux camions, enfin un camion en plus, déjà qu'on a une voiture avec le Hit Runner à charger. Ouais. Je pense que là par exemple, si on a que le camion, on fait pratiquement trois chargements et demi, ouais. Dont trois vendus on va dire. Et si on a un camion en plus, on va mettre plus de temps à charger et on aura peut-être moins de ventes. Et pourquoi vous allez mettre plus de temps à charger? Parce que t'as le double de chargement. Un camion à charger en plus. Mais après sur deux, ça reviendra au même, ça égalisera. Ouais, mais ce qu'on fait en deux épisodes, on peut le faire en un. Mais non, ça changera rien au temps de chargement d'un. C'est juste que vous irez vendre moins de fois. Mais du coup, oui, c'est vrai que là-dessus, le fait d'aller vendre moins de fois... Si on est trois, ça veut dire qu'il y en a deux qui font le transport en même temps. Oui, il faudra qu'on fasse le transport en même temps. Obligatoirement. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus qu'une seule personne qui est sur la parcelle en train de bosser. Ouais, après bosser pendant que ça transporte. Bah c'est compliqué. Oui. Donc c'est pour ça qu'on peut faire, du dessouchage, on peut faire des choses comme ça. Ouais. Mais c'est pas évident de pouvoir travailler ou de faire des tas. C'est pas possible. Donc autant qu'ils soient sur la route, tu vois. Donc. Je sais pas parce qu'en vrai, aussi le problème que j'allais dire, c'est le problème de faire deux camions. Bon, eux, c'est ce qu'ils font. Mais du coup, c'est quand vous faites deux camions, ça veut dire que si eux en ont un en face, et bien pendant qu'eux ils livrent, bah vous êtes bloqué parce que vous en avez deux à remplir. Ouais, et du coup, c'est ça. Vous avez un moment où vous attendez. Juste vous attendez. Mais vu qu'eux en ont deux en face, bah ça reviendra un peu au même. Du coup, ça égaliserait peut-être. Donc en vrai, là-dessus, c'est peut-être pas gênant. Mais en tout cas, oui, la stratégie n'est pas bête. Mais aussi, là, ils ont. Du coup, depuis le dernier épisode, ça vous l'avez pas encore vu parce que nous on lit les commentaires il y a deux épisodes. Vu qu'on prend un petit peu d'avance avec ce qui se passe, voilà, tout ça, on a un peu eu temps très chargé. En gros, au dernier épisode, comme vous l'avez vu, par contre, là, quand vous voyez cet épisode, ils ont acheté, enfin, ils ont pas acheté, j'ai régalé avec l'épreuve, j'ai régalé le truc Hit Runner, et donc ça leur permet, bon, pas d'avoir deux camions, mais en vrai, on a vu avec Papy, cette remorque bien remplie, c'est 40 000 balles, hein. Oui. Donc c'est très très valable, hein. C'est très très valable. Donc franchement, ouais. Et encore, elle était pas terriblement bien remplie. Ouais, on l'avait amené parce que c'était la fin, pour voir, mais ouais, c'est vrai que c'est sympa. Donc en vrai,
peut-être pas tout de suite, mais ça arrivera peut-être au bout d'un moment. De toute façon, le double setup, ils verront bien. Également, on a un commentaire de Mathéis qui, de Mathéis qui donne un conseil à tout le monde. Il dit bonjour NRX5, super vidéo. Petit conseil pour l'équipe rouge et bleu. Pour les souches, il y a une machine assez bien, c'est la Lizard Trek 600 qui pourrait bien aider les équipes. C'est vrai. C'est vrai que c'est une excellente machine, la Lizard Trek. Hein. Je sais pas si vous la connaissez, c'est celle oui, de Black Sheep. Je la connais, ouais, on la toute petite. Ça aussi, ça elle est vraiment pas mal, je sais pas si elle coûte cher, je suis pas sûr. Hein. Alors, elle coûte 95 000 balles de mémoire. C'est pas cher. C'est pas plus que ça. Mais il y a aussi le problème de frein et d'accélération dessus. T'es sûr ? Il y a des fois quand tu restes accéléré un poil trop longtemps, elle va avancer. Ah ouais ? Ça va être chiant, ouais. Ah merde. Ouais, parce que ouais, le problème, c'est que c'est pareil au niveau des battements, au niveau du broyeur. Si jamais, comme nous dans la montagne là, tu vois, ah oui, qui va être plus haute, bah on réussira pas forcément à les avoir. Ouais, c'est vrai que, alors que là, avec ce setup là, bah, vous pouvez aller chercher avec les fourches, etc. C'est ça qui est bien. Et même avec les trucs que vous avez à l'arrière, alors que la Lizard Trek, bah, c'est terminé quoi, c'est que le truc ouais, à l'avant. Ouais, c'est clair. Donc après, sur une parcelle plate, peut-être. Ah ouais, ouais, ouais. Mais après, c'est pareil, sur une parcelle plate, t'as presque intérêt d'avoir un skidder, parce que moi, le skidder, ça permettrait de rajouter les arbres que tu fais. C'est vrai. Pour ceux qui se rappellent pas le skidder, je vais juste leur montrer. On l'a sur le serveur. Ouais. Bon, et c'est pas la version qui marche très bien. Ah, bah non, c'est même pas celle qui a le broyeur, mais c'est pas du tout la même. Hein. En gros, c'était ça le skidder. Tu rajoutes le broyeur. Voilà. Fait. Ouais, mais non, t'avais pas la lame de base hein, sur celui qu'on avait avant. Ah ouais. C'était un accessoire, ouais. Ouais, c'était un accessoire. Donc là, c'est un peu bizarre. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, c'était le système là. Je pense que vous en rappelez, on l'a tellement vu dans la saison 1. Il était plus jaune aussi. C'était très pratique quand on avait des arbres dans le lac et tout. Donc, Oh, c'était vraiment trop bien. Bon, c'était pas aussi bien que le bulldozer. Le bulldozer était légendaire. Mais bon, après, le bulldozer était un peu lent quand même. Mais c'était pas mal. Et 6000, donc 43 45 000 presque, 45 000 juste avec la petite remorque là les amis, hein, rendez-vous compte. Et là, attention, la grosse Bertha, 30 000, 23 000, 22 000 au propre, 3 coups, ah ouais, donc ça fait 75 000, 76 000, très très propre. Et juste avant qu'on change de côté, enfin qu'on passe à l'épreuve, je vais vous montrer où on en est. Franchement, ça avance plutôt bien, mais c'est vrai que c'est un petit peu compliqué là de progresser dans cette partie. Oh là là, c'est incroyable. N'empêche, je sais pas, t'es à combien de mètres d'altitude, mais c'est... T'as une vue, là, imprenable. Hein. T'es quasiment au plus haut de la montagne, de toute façon, là. Au bout d'un moment, tu pourras plus monter, t'inquiète pas. Ça peut te rassurer, hein. Ouais, je sais pas si ça va me rassurer, mais... tu pourras pas monter plus haut. Les amis, bienvenue dans l'épreuve, je suis trop hype, ça sera un 4v3. Les équipes auront tout simplement 10 minutes pour faire la tour la plus haute. Et oui, la tour la plus haute avec toutes les bottes qu'ils ont ici à disposition. Je trouvais ça plus drôle de leur mettre à disposition cette fois des petites bottes, hein, vraiment des mini bottes. Ils vont démarrer d'ici, les 10 minutes commenceront, ils devront rusher et faire leur tour ici. Le bout le plus haut de la tour doit être au-dessus du carré blanc. Hein. Sinon, après, ils peuvent devenir plus larges, etc. C'est pas grave, ils font la tour aussi large qu'ils veulent. Mais le tour le plus haut devra forcément être au-dessus du carré blanc. Donc comme ça, ils doivent amener les bottes d'ici à là. Ils ont également, comme vous l'avez remarqué, des grosses bottes de chaque côté, que ce soit pour les bleus ou pour les rouges. Et également, il y a 4 bottes, 4 grandes bottes au milieu du mur qui les séparent. Vous allez me dire, mais à quoi se sert ce mur-là et pourquoi ? Bah, déjà, c'est pour les séparer. Et aussi, parce que en gros, ce qu'ils vont devoir faire au début ou quand ils veulent, mais le mieux c'est d'y aller au début pour qu'il y ait encore des bottes, c'est se dépêcher, aller chercher les bottes, parce que bah, c'est quand même des bottes qui sont plus grosses que des petites bottes, donc il faut aller les chercher, c'est des bigs. Et hop, les faire tomber de son côté pour les faire remporter à son équipe. Une fois que c'est tombé de ton côté, ça t'appartient, c'est ta botte. Donc voilà, les deux équipes vont sûrement rusher les bottes au début, ça va être assez marrant de voir laquelle l'emportera, et c'est sûr que ça sera un petit peu décisif, hein. Celui qui aura le plus de grosses bottes, bah, aura une tour déjà vachement plus grande. Pour rappel, juste pour les règles, comment je vais faire pour compter à la fin, une botte, un big, c'est deux petites bottes, en gros, en termes de hauteur, et ils doivent être forcément posés sur ce côté-là. Sur le côté le plus large, le côté classique sur lesquels elles sortent de la presse, tout simplement. Pour ce qui est de la récompense, les amis, c'est très simple. J'ai récupéré l'idée d'un abonné qui m'avait donné il y a... Mister Wallon. Un ou deux épisodes. Non, c'était pas Mister Wallon, parce qu'on l'a pas vu depuis très longtemps. C'est l'histoire des parcelles. En gros,
le gagnant aura le choix, l'équipe gagnante aura le choix entre deux parcelles à placer où elle veut sur la carte. Deux. Mais elles doivent se suivre. En gros, elle doit placer un rectangle. En gros. Ouais. Okay. Mais par contre, si elle choisit de prendre deux parcelles, ça en offre automatiquement une à l'équipe adverse. Ou alors, elle choisit de prendre qu'une seule parcelle, mais ça n'en offre pas à l'équipe adverse. Ça, ça sera à décider pour l'équipe qui aura remporté. Les équipes sont prêtes, je suis pour le moment tout seul dans mon vocal, mais vu que l'épreuve va durer 10 minutes, bon, vous verrez pas 10 minutes, vous verrez un best-of, mais vu que l'épreuve va durer 10 minutes, j'irai de temps en temps prendre la température des deux côtés, voir comment ça avance, ça va être très sympa. 3, 2, 1, go! C'est parti, ça part très fort! Oh, les bleus qui sprintent, les bleus, oh, les rouges ont choisi d'aller tous! Oh, les rouges sont très malins. Ok, c'est pris, une du côté des bleus, deux du côté des bleus. Ah, ils ont du mal, ils ont du mal, ils se battent pour une vote. Ils se battent pour une vote, ils se battent pour une vote. C'est ce que c'est une bonne idée, ils perdent du temps. Ils perdent du temps. Ils perdent terriblement du temps. Oh, comment ça va faire? Comment ça va faire? Ils se sont fait shipper une botte, hein, déjà. Oh, peut-être, peut-être. Oh, les bleus, c'est pour les bleus. Oh là là, ils ont été meilleurs. Oh là, mais ils étaient à 2 contre 4, ils ont pris 3 bottes. Oh, ils ont été légendaires. On va aller tout de suite prendre la température du côté des bleus qui ont été incroyables. En 2v4, ils ont pris 3 bottes. Bien joué. Vous êtes des putains de génies. Vous êtes 2v4, en 2v4, ils ont pris 3 bottes. Il y a Black Nick et Mr. Wall. Ah ouais, non mais les gars, what the fuck. Après, on est pas. Oh là là. Team e-sport professionnel. Mais vous êtes légendaires. Je me suis dit, oh les cons, ils vont qu'à 2, ils vont perdre. Mais non. Il vous reste 8 minutes et 20 secondes. On passe prendre la température du côté de nos amis rouges. Ouais, bah ouais, ouais. Qui sont en train de bonjour, qui sont en train de placer les... T'es sûr qu'il faut prendre la température? Ah oui, c'est toujours important de faire les relevés. 37,5, ça m'a l'air pas mal. Et du coup, ouais, stratégie, du coup, c'est un petit peu le convoyeur humain. Du coup, c'est ouais. Que Papy qui les place? Pour l'instant, ouais. Ok, ok. Et on vous essaie d'en envoyer un maximum. Et puis après, vous pourrez tous l'aider, limite, ouais. La moitié du temps de l'épreuve est passée, ça avance très bien du côté du rouge, des rouges qui ont pris un petit peu un coup dur au début de l'épreuve. C'est vrai que de perdre 3 sur les 4 bottes, ça fait quand même beaucoup. Mais regardez, ils ont une tour qui est quand même plutôt propre et c'est beaucoup plus ordonné, je trouve, que chez les bleus où... Ah, quoique... Ah, oh là là, c'est un peu brouillon. Et n'empêche... Ah non, en fait, non, c'est eux qui sont plus ordonnés. La tour est plus jolie, mais est-ce que ça va permettre de faire plus haut? Ça, rien n'est sûr, hein, encore une fois, évidemment. Mais leur tour a l'air plus ordonnée. Il leur reste plus que 3 minutes 30, ceci dit. Donc il va pas falloir chômer non plus. Hein. 3 minutes 30, c'est bien de faire une belle tour. Le but, c'est pas de faire une belle tour. Hein. Le but, c'est de faire la tour la plus haute, encore une fois. Donc ah, ça va pas être simple. Ça va pas être simple d'aucune des deux parties. Neuf, huit, sept, six, cinq, quatre, trois, deux, un, stop! Celle de Papy, elle tient, il l'a lâché à stop. Il est après. Il y a scandale, il y a scandale. Non, il l'a lâché à stop, et elle a tenu. Il l'a lâché à stop et elle a tenu. On vous en parle la dernière fois de votre tour que vous allez lâcher au dernier moment? Non, on n'a jamais fait ça, nous. Alors, il est temps de passer au comptage, s'il vous plaît. Pas de réaction pour le moment, pas de commentaires. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Du côté de l'équipe rouge et du côté de l'équipe bleue, nous sommes à 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 et 16. Yapow! Yapow! Et du coup, c'est combien? C'est combien? Je me rappelle plus ce que j'ai mis chez les rouges. C'est chez nous. L'équipe gagnante a délibéré, ils ont fait tout simplement une petite concertation. Et ils avaient le choix entre prendre deux parcelles à placer au choix à un endroit, les deux parcelles collées évidemment, mais à placer au choix à un endroit et en faire gagner une au rouge, ou alors n'avoir qu'une seule parcelle et ne pas en faire gagner au rouge. Et ils ont choisi
Oh, le roulement. Deux parcelles. Ils ont choisi de prendre deux parcelles. C'est exprès pour toi, mon papito, c'est parce qu'on t'adore. De vous en offrir une. Donc, ils vont évidemment les choisir en premier, vu que c'est eux les gagnants. Et vous pourrez ensuite placer la vôtre. Je vous écoute, cher bleu. Alors, je suis du côté de nos amis bleus qui, du coup, se régalent hein, parce qu'ils ont 4 parcelles, que des parcelles plates en plus là où ils sont, donc ils peuvent aller jusqu'au point de vente. Franchement, là-dessus, ils se régalent. Et d'ailleurs, en fait, je suis en train de me dire, les rouges, ils ont fait un très mauvais choix de s'installer là-bas. Ils auraient mieux fait de s'installer de votre côté parce que, du coup, Ah, mais c'est parce qu'au bout d'un moment, ils vont devoir la prendre quand même, tu vois. Enfin, on va devoir. Ouais, c'est sûr, mais en vrai, ils auraient pu bénéficier des parcelles plates parce qu'une fois que vous aurez récupéré les parcelles plates, il n'y en aura plus. Bah oui, ça c'est vrai. Mais bon, je leur avais dit, hein. Moi je leur disais que c'était pas forcément la meilleure idée. Il est temps du coup de vous montrer quand même ce que ont fait ces gens-là durant leur off. Enfin, ces gens-là, à rappel, Valo est venu les aider. Vous avez vu, ils ont plutôt bien avancé, c'est plutôt propre. Et même Black Mick, d'ailleurs, dans la première partie de l'épisode, pendant que j'étais avec les rouges, t'as abattu combien d'arbres déjà? 130 arbres. 130 arbres, en une heure. Donc voilà, la personne est énervée. Et regardez, la parcelle, vous l'avez commencé il y a deux épisodes. Oui, c'est ça. Là, on peut faire un stade de foot. C'est genre, ok, juste ça. Il y a une crevasse. Bah, écoute, on va plutôt avoir un camping qui s'appelle. Ah oui, un camping, c'est vrai. Oh là là, Marlon Olive O. Olive Oil. Comme l'équipe. Du coup, les amis, ça avance bien. Ça avance bien de ce côté-ci. Bah écoutez, on a du coffre. Écoutez, ça reprend bien. Et du coup, Alan, tu disais, ouais, les premiers chargements, ils vous ont rapporté combien dans cet épisode? En gros, on a fait le camion plus le pick-up 166 000. Ah, ok, vous avez fait un chargement camion pick-up 166K. Ouais. Parce qu'en vrai, les rouges trouvaient que l'idée du double setup, c'était pas une bonne idée. Mais j'ai un peu l'impression que vous êtes en train de leur montrer que si. Au début, autant c'était pas une bonne idée. D'avoir deux remorques. Sauf que maintenant qu'on a télesco à batteuse. Télesco à batteuse, là c'est vraiment, je trouve que c'est la bonne idée. C'est vraiment. On a fait qu'une vente là où on a déjà fait. Bah, genre là, la preuve. La deuxième en fait, se prépare. Là, il prépare la deuxième fournée est en route là. Le camion est plein, dans 2-3 retours de télesco, on part revendre. Ah ouais. Tu peux me laisser le télesco 2 secondes pendant que j'ai les commentaires? Je vais essayer de faire un petit chargement. Et du coup, bah, comme je vous l'ai dit, on va lire les petits conseils que vous nous avez donnés. On va prendre le conseil de VirtuaGri44 qui dit: salut Marlon, très bonne vidéo. Je pense que les bleus devraient prendre un bulldozer pour broyer les souches, qui va bien plus vite que les autres des soucheuses. Alors oui, c'est vrai que le bulldozer de NMC, il est vraiment incroyable. Il est vraiment incroyable. Le seul souci, c'est que vu que les parcelles là sont... Oui, le prix. Et vu que les parcelles là sont assez... on va dire... Ouais, bah alors là, autant, c'est pas le bon exemple, c'est plutôt plat. Mais dès que vous allez être dans du vallonné, le bulldozer, il va plus passer. Et surtout, vos arbres sont assez éloignés, en fait. Alors que dans Beaver Creek, ils étaient tous collés, les arbres, c'était hyper serré. Là, je sais pas si c'est valable parce que, et si je dis ça, c'est parce qu'en gros, vous allez devoir faire beaucoup de distance d'un arbre à l'autre et le bulldozer il avance à rien, hein, c'est un truc à chenilles. Donc je sais pas si c'est si valable que ça. Je préférais peut-être l'option du skidder qui voulait acheter, mais le problème c'est qu'on l'a pas encore sur le serveur, le vrai skidder comme on avait sur la saison 1. Mais il va revenir, on va le trouver. Artyom a retrouvé le fichier donc on va pouvoir le remettre. Mais voilà. Que le skidder arrive, je prends la pluie. Voilà, en attendant lui, voilà, il est entre. Ceux-là, ils ont pas mal d'avance, du coup, bon, en attendant, il a rien à faire, il est en train de tomber la pluie. Regarde ce que j'ai fait, gros, tout le côté là, il est tombé. Non, mais il est vraiment en train de tout tomber. On a un bonus pour la tombe de la pelouse. Ouais. Ouais, je pense, on va voir ça. Un ticket restant. Si je veux pouvoir faire un camping, c'est pas dans la broussaille comme ça qu'on. C'est vrai qu'il veut toujours ouvrir un camping, donc on peut pas lui. Voilà, il peut pas. Ça commence à s'avoir poussé avec le temps, frérot. Dans ma camping.
Oui, par contre, oui, ça repousse avec le temps, frérot. Ah, vous mettez pas en. Ah, oui, je pourrais enlever la croissance du. Ouais, j'avoue. La croissance. Ouais, je vais enlever la croissance, comme ça, tu n'auras pas fait ça en vain. Et du coup, il y avait un deuxième commentaire. Alors, celui-là, c'est pas un conseil, mais c'est un commentaire intéressant au niveau de la série. C'est Clément Vasseur qui me dit salut, première idée pour les taxes, il faudrait des taxes variables. Par exemple, des taxes de 30% pendant l'épisode et de 40% sur le off, par exemple. Et donc, ça poserait les équipes à faire des stratégies. Mais en vrai, ce qui pourrait être vraiment marrant, même, c'est que. Tirer aléatoirement le montant des taxes. Comme ça, des fois, t'as des épisodes où les équipes devraient faire plutôt une tâche que l'autre. Ça pourrait être intéressant. Et même, aller un peu plus loin, vous savez, les copeaux, pour le moment, sont interdits. C'est interdit de faire du broyage pour avoir des copeaux. Mais j'ai pensé à un truc. J'en ai parlé à l'équipe rouge tout à l'heure, ou non, l'autre jour. En fait, c'est autorisé à te faire des copeaux, mais genre, par exemple, un épisode sur trois. Comme ça, tout le monde ne fait pas que des copeaux tout le temps. Ça rapporte pas beaucoup, aussi. Ça peut rapporter pas mal. Ah, ah, on a. Alain a cupé. Soit, les autres ont pas besoin de s'arrêter en face. Mais ouais, du coup, les copeaux, ça rapporte. Ça peut rapporter. En fait, c'est le prix, on peut le fixer. Donc, si tu veux, juste à modifier ah, oui. le point de vente. Ah, bah oui, c'est vrai. Si tu veux c'est comme un truc dans la coopérative, c'est un produit. Donc, les copeaux, ça peut rapporter beaucoup. Et puis, je me disais, voilà, ça permet de pas avoir que des copeaux comme à la fin de la saison 1. Et d'en avoir un petit peu quand même, donc ça peut être sympa. Également, dans son commentaire, il me dit deuxième idée, l'impôt de 10% sur la fortune pour avoir des stratégies d'achat anticipées. C'est vrai que, ouais, dès que les entreprises accumulent trop d'argent, leur mettre un petit impôt sur la fortune. Bon, en vrai, je vais peut-être pas abuser là-dessus parce que du coup, ils pourront pas économiser pour acheter des trucs coûteux, quoi. Et ça, ils auront aucun intérêt d'économiser. Et le but de la série, c'est quand même bah, d'économiser un minimum. Donc, oui, on va pas mettre ça en place, mais c'est vrai que c'est une bonne idée, hein. C'est une bonne idée française surtout, le petit impôt sur la fortune. Il me dit troisième petite idée, proposer des réductions, par exemple moins 20% pendant l'épisode sur certains équipements. Ça c'est prévu aussi, ça pourrait être sympa de proposer des petites réductions à des moments sur certains types de matériel, même si c'est pas forcément du matériel qu'ils auraient utilisé, au contraire d'ailleurs, mettre des réductions sur le matériel qu'ils ont pas forcément besoin, et comme ça ils vont peut-être réfléchir à des stratégies, vu que c'est moins cher. Alors, il est temps de se faire des sous-sous, deuxième livraison du côté de nos amis bleus. Bah on a un bleu qui est touriste ici. Mais non, je viens sur le point de vente, de toute façon ça lag tellement je peux rien faire donc. Oui c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. 21k, 16k, 19k, 8k, 1,8k, pas mal. Eh, ouais, vous faites des beaux trucs maintenant. Vos chargements sont mieux, 70 000 là. Depuis que Kamsed a arrêté de charger, ça va beaucoup mieux, ouais. Ta gueule, c'est moi qui ai tout chargé. 19 000. 21 000. Oh là là, ça 24 000. 11, mais what the fuck? Oh, ce qu'on a sur le compte en banque là, c'est une. Ah ouais, vous avez 669 000. Alors j'ai hâte de passer. Bah alors, Wallon, on se permet des petites folies? Ouais. On s'envoie en l'air? bon. Du coup, mais comment tu veux que je prenne ça, moi? Petit achat du côté des bleus, ils avaient, bah, ils avaient 669 000, hein, donc ils ont investi dans un Kenworth, un deuxième Kenworth noir. Oh, ouais. Deuxième camion du côté des oh, bleus. Yeah. Oh, et ici, ça va prendre avec le IT-Runner. Alors en vrai, fais comme les rouges, attelle d'abord le truc pour le bois, et comme ça vous allez ramener la benne pour les copeaux. D'accord. Les amis, nous arrivons au terme de cet épisode. Il est temps pour moi de récupérer mes doux dollars et de faire le bilan justement de tout ce qu'ils ont fait. Descends de mon auto, toi ? Non, c'est la mienne, est-ce que... Ouais, tu vas me manger dans le banc de neige. Je suis dans la rue chez nous. Il y a une tombée de 6 pieds. De 6 pieds. Bon, ok, je suis dans la rue chez nous. Je voyais rien, je fesse dans une rafale de 6 pieds. Alors, du coup les amis, il est temps de faire le bilan de nos deux joyeuses équipes. Attention, toute dégradation sera facturée très cher. Qui est l'équipe bleue et l'équipe rouge. Alors ils sont que 3 dans l'équipe rouge pour cette deuxième partie, mais les bleus seront un en moins durant le off pour compenser durant une heure. Du coup, pour ce qui est, on va commencer par les rouges, vous avez rapporté 199 517 euros. Du coup, ça fera 99 700 euros. De taxes, ils ont 41 euros de dépenses et du coup ils ont 358 333 euros à la banque, enfin un peu moins du coup, moins les 99 000, donc ils ont 239 000. Merci beaucoup. Et les bleus, eux, quant à eux, ont rapporté ils ont abattu 107 arbres, pardon, oui, 107 arbres abattus pour les rouges. Et les bleus, eux, ont rapporté 270 545 euros, 135 000 euros, s'il vous plaît,
135 200 euros de taxes, cher Alan. Merci Alan, bien. Il a pas envie de payer. 125 193 euros de dépenses. Et ils ont du coup un solde à 409 000, quelque chose comme ça. 409 337. Voilà, et ils ont abattu 222 arbres. Voilà, merci beaucoup, chers amis. Ils n'ont pas de souches, j'ai déjà été vérifié. Ils n'ont pas plus de 4 souches chacun, donc c'est juste nickel. Voilà, chers amis, on se retrouve du coup très prochainement pour la suite. Et si tu casses la bagnole, je te jure que tu vas le payer. Allez, c'est énergie. Ciao tout le monde. Ciao. Ciao.